Monsieur Baron, donc Régis. Je m'occupe du musée 1900. C'est mon père qui l'a créé, Monsieur Baron Gaston, donc, qui a créé ce musée il y a maintenant 37 ans, avec 50 ans de recherche, de restauration, de remise en état de matériel ancien. Une passion débordante à tout niveau, puisqu'à l'intérieur du musée, il y a environ 3700 pièces de collection dans des thèmes très variés. Lorsqu'on récupère de l'objet, effectivement. Ensuite, une fois qu'on a la recherche, on a daté cet objet. Ensuite, on passe par la case atelier, forcément. Donc, on fait de la restauration de l'objet. On le remet donc en état, puisqu'effectivement, on ne les trouve pas tout neufs, ces objets, puisqu'on a tenu qu'ils sont anciens. Et ensuite, donc, il faut effectivement le mettre en scène dans le musée, de manière à lui donner une vie, que les gens comprennent de suite en voyant cet objet à quoi il servait. Tous les gens faisaient après un travail très harassant, donc de très grands repas, de manière justement à être ensemble. Donc il y avait un partage, il y avait une entraide, il y avait quelque chose. Et donc c'était ce côté fabuleux que mes clients retrouvent lorsque l'on vient visiter le musée. Déjà parce qu'on essaye de vous accueillir le plus simplement du monde, tout simplement, et pour passer un bon moment et retrouver donc l'esprit de convivialité de l'époque. C'est le but.